Ainsi dit le Seigneur, mon image, ma miséricorde, mon amour. 17 juillet 2006, de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothée, pour Timothée et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur à son serviteur. Bien que vous transgressiez, je pardonne. Bien que vous désobéissiez, je reste fidèle. Et bien que vous trébuchiez et tombiez, je vous redresse. Et quoique je vous abaisse, certainement vous serez glorifié. Ainsi, que tes oreilles s'ouvrent, mon fils, car je connais ton cœur. En toi, je vois un profond et insondable amour, le genre d'amour que je n'ai pas vu dans tes compagnons. Pour cette raison, je suis avec toi, et pour cette raison, je t'envoie. En effet, ton cœur demeure ouvert à moi. Tu n'es chargé par aucune des doctrines corrompues ou traditions immondes, et pas davantage tu n'as prêté allégeance à une quelconque foi ou dénomination inventée par l'homme. Donc, je t'ai choisi. Cependant, je te le dis, tu dois encore suivre le métronome de la force qui habite en toi. Fais-la émerger, Timothée. Embrasse cet amour que tu as pour moi. Car c'est par l'union avec le Messie que le pouvoir de Dieu sera établi en toi, l'Esprit, le Fils. En effet, celui dont la foi en l'unique Saint d'Israël est complète, sans place pour le doute, peut déplacer des montagnes. Donc, écoute et comprends. Il est écrit, vous êtes tous des dieux, car vous êtes des enfants du Dieu Tout-Puissant. Car vous avez été créés selon mon image et êtes nés de l'utérus de votre mère. Et maintenant, vous êtes remodelés, nés de nouveau en esprit et en vérité, restaurés à la vie comme en premier lieu, sans reproche. Et pourtant, vous renaîtrez une troisième fois dans la gloire lorsque le temps sera accompli. Alors, vous me connaîtrez vraiment, car vous me verrez tel que je suis. Si donc vous êtes né de nouveau de l'Esprit et que l'Esprit de Dieu vient vivre en vous, si vous demandez n'importe quoi en mon nom, cela ne vous sera-t-il pas accordé? En effet, ce le sera promptement, en accord avec la volonté de mon Père. Donc, je vous le répète, tous ceux qui vivent et respirent en moi, ayant reçu de ma richesse, peuvent faire n'importe quoi. Oui, rien ne sera impossible pour eux. Car par la foi inébranlable et la confiance totale, l'homme peut marcher sur l'eau. Mon fils, ne t'ai-je pas déjà montré ces choses? Doutes-tu de mes miracles parce qu'ils ont été ouvragés à travers des hommes? Mes serviteurs étaient des hommes comme toi, rien de plus, rien de moins. Rappelle-toi. Ils ont cru avec une foi constante et inébranlable, ne doutant de rien. Alors crois, Timothée. Utilise ce que je t'ai donné. Je suis avec toi. Mon fils bien-aimé, mon image est dévoilée sur toi et en toi, et bientôt nous serons un. Pourtant,
Le monde a couvert tes yeux d'écailles, et le malin cherche constamment de nouveaux moyens de t'enchaîner. Timothy, j'ai mis l'onguent dans tes mains. Les clés t'ont déjà été données. Libère-toi, car si le Fils t'a libéré, tu es effectivement libre, en effet. Dieu éternel, 20 janvier 2005, de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur adressée à Timothée pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Voici, les jugements de Dieu vont tomber des cieux. Le soleil, la lune et les étoiles ne donneront pas leur lumière. Les fondations de la terre seront ébranlées et même des hauts lieux seront démolis. Car le Seigneur vient comme un voleur pour enlever furtivement ses élus, et les jugements de Dieu comme une multitude de coups de tonnerre vont ébranler les cieux et la terre. Pourtant, la multitude dit: quelle est l'interprétation donnée au jugement de Dieu? Ces choses sont trop terrifiantes pour être vraies. Ainsi, dit le Seigneur, regardez toute la création. Ne dépasse-t-elle pas la compréhension des hommes? Y a-t-il un homme capable de dénombrer les galaxies dans l'univers ou compter les étoiles qui s'y trouvent? Et qu'en est-il de l'amour du Père accompli au travers du Fils de l'homme? N'est-ce pas également au-delà de toute compréhension? Raisonnez tous ensemble, ô fils des hommes. Considérez l'œuvre de mes mains et regardez avec de nouveaux yeux et une vision restaurée, de sorte que vous voyez la vérité. Car toutes les œuvres des hommes ne sont là que pour un moment, puis s'éteignent rapidement. Et ce qui reste, ne sera-t-il pas consumé par le feu le jour de la colère de Dieu? Et la connaissance de l'homme n'est-elle pas de la folie à mes yeux, se réduisant à rien devant la lumière de ma gloire? Ainsi donc, craignez le Seigneur votre Dieu et acceptez la vérité de qui je suis. Car la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance de Jésus seul est compréhension. Car moi seul suis Dieu. Fils des hommes, entendez la parole de ma bouche et écoutez attentivement mon propos. Si les œuvres puissantes de Dieu sont décomposées en simples paraboles, et que la parole de mon pouvoir est considérée uniquement comme des figures de style ou des métaphores qui ont besoin d'être interprétées, alors vous êtes perdus, éternellement consumés par la discussion et la confusion. Certainement, vous m'avez rejeté. Vous avez relégué ma parole au rayon des antiquités, comme un recueil de fables d'un lointain passé. Et parmi les églises des hommes, ma parole est pervertie. Elle est déformée et abusée par ceux qui se sont établis comme une autorité. Je vous le dis, que ce qui est une parabole reste une parabole, et que ce qui est une figure de style soit compris par ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, et que ce qui est un récit cause la crainte dans le cœur de tous les hommes, car je ne change pas. Voici, ma parole est vérité. Et ce qui exige la compréhension doit être donné à ceux qui ont un cœur contrit
et un esprit humble, car ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements, et ceux qui commémorent mes sabbats m'honorent et connaîtront la sagesse. Ainsi donc, considérez ces choses soigneusement, car j'ai préparé une place pour ceux qui me cherchent, pour ceux qui désirent me connaître tel que je suis vraiment, un lieu pour tous ceux qui sont acceptés dans le bien-aimé, en qui réside mon esprit, le royaume sans fin. C'est pourquoi, écoutez la parole du Seigneur, ô peuple de la terre, car le jour du Seigneur est proche. Voici, j'élèverai la multitude et je ferai des prodiges dans les cieux au-dessus et en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu, des colonnes de fumée et les fondements du monde seront ébranlés. Car je révélerai ma gloire et tout œil verra. Alors tous les habitants de la terre sauront que je suis le Seigneur. Car de même qu'à l'époque de mon serviteur Moïse, j'ai étendu ma main contre l'Égypte, avec de nombreux miracles et des prodiges puissants, il en sera ainsi le grand et terrible jour du Seigneur. Pourtant, comprenez ceci, ô génération la plus arrogante. Mon jugement sur l'Égypte n'était qu'une simple goutte de pluie, un seul coup de tonnerre, comparé à celui que j'ai préparé pour cette génération endormie. Par conséquent, réveillez-vous, vous tous qui dormez, car le temps de votre sommeil est terminé. Réveillez-vous et préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Repentez-vous et détournez-vous de ce large chemin que vous avez choisi. Venez, c'est le moment. Humiliez-vous aux pieds du Saint d'Israël et embrassez le salut de Dieu. Car je suis et vous êtes en vie grâce à moi. En moi seul vous recevrez la vie éternelle. Je suis. Je suis le premier, voici, je suis aussi le dernier, créateur du ciel et de la terre. Celui qui connaît toutes choses, même dès le commencement, celui dont le nom est écrit sur de la pierre éternelle, Dieu éternel.